La musique, oui, il est possible qu'on fasse tous des cauchemars à cause de cette musique, oui. Surtout moi. Mais cette musique, c'était quoi? C'était les missions VR dans MGS1, ça? Ouais. Ouais. Oh putain! Il m'attendait là. Mais non, c'est pas une horreur cette musique. Vous exagérez. C'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Vous êtes tous ignorants. Il semblerait. Yeah, merci de m'avoir aidé. Le docteur Magnard est enfermé dans les sous-sols. Ôtez ton, tu m'as fait peur. Ah yes, la musique de la bicyclette dans Pokémon. Ouais, je confirme, Hello, je confirme. Non mais regarde, ça s'est accéléré la musique là, c'est pas exactement la même. Ça s'est accéléré là. Il va te falloir de la ration, hein. Tu fais gaffe, t'as pas de ration activée, hein. C'est ta carte qui est activée. Donc là, la discussion, elle a bifurqué sur Pokémon à cause de cette musique de taré. Putain, ils veulent pas arrêter de respawner. Ah, mais je pense que là, c'est pas la peine d'essayer de vouloir respawner ou quoi. On a tué une ville, ah, putain. Non! Bah, Fox, t'es gentil, t'as vu ce que je viens de faire là? Délivrer une 14e personne, puis redescendre au rez-de-chaussée pour récupérer la carte des niveaux 6 et faire le plein des rations. Enfin, redescendre au rez-de-chaussée après, tu sais. Bah, c'est beaucoup d'allers-retours, c'est pour ça que je suis un peu pas exactement ici. Regarde, à ce côté direct, quoi, je peux rien faire. Ah, moi j'avais joué à la. C'était la quoi que j'avais joué? Ouais, c'était la Blue que j'avais joué, moi. Déjà vu. Ah bah écoute Milouz, je t'invite à en parler. Dis-nous, on t'écoute. On est là pour. Non, je sais pas. Il dit qu'il a une impression de déjà vu. Nous sommes là pour t'écouter. Explique-nous tes problèmes et nous te présenterons. Nous t'aurons un rendez-vous avec le docteur Fox. Ah, tu regardes Ultimetal Gear. Ah oui. D'ailleurs, si Marc clique sur le lien, il aura la soluce. Ouais, mais après, ça va me changer l'écran et tout. Ah, Ultimetal Gear, putain, ça fait des années que j'étais pas allé sur ce site. Marche toujours. Bah écoute, il semblerait, hein. Retourner au rez-de-chaussée alors. Hein? Non. Ouais, bah je sais pas, c'est ce qui est dit. Mais après, ouais, mais. Oh, putain, mais la soluce, ouais, mais faut. Ouais, bon, plus tard. C'est quoi? Nuke, on aime bien quand tu nous guides. Même Dark Keeper aussi, on aime bien quand vous nous guidez. Voilà, guidez-nous, c'est mieux, voilà, je préfère. Ah ouais, UMG prévoit une V4, d'accord.
Où les toutous sont réveillés? Où les toutous sont réveillés? Il a trouvé la bonne carte. Une actualisation plus régulière, d'accord. Ah, ça fait des années que j'étais pas allé sur MG, moi. Oui, c'est celui de la HD Collection. Oui. Sinon, oui, c'est bien la version HD, oui. C'est pour ça que les pixels sont plus beaux. Oula, mais ça, c'est un couloir de paix. C'est Cartman qui est passé par là, non? C'est ça. Alors, ouais, heureusement que tu l'as pas mis, ouais. Alors ça sent les cartes 4. On peut jamais savoir c'est quoi les cartes. C'est le JDG qui l'a dit, on peut jamais savoir c'est laquelle carte à utiliser. Qui revient un verre, vas-y, tu me rapportes un verre, moi. J'ai soif. Madnar. Madnar, nous avons trouvé le professeur Madnar. Tu es tombé dans mon piège. Oulala. Le vrai docteur Madnar. Meurs, Fox Sound. En plus, c'est toi qui veux qu'il meure. T'as vu? C'était dirigé contre toi. Eh. Oh là là, le méchant. Le jeu savait déjà que t'allais venir. Pas Snake, hein, mais toi. Fox Sound. Ouais, il est au courant. Ça a été crédité spécialement pour Nathan. Vous savez, maintenant ils vont se mettre à teaser. Ils vont se mettre à teaser là. On dit en plus c'est lourd, on le sait toi, que t'as une réserve personnelle d'alcool. Fire Trooper, oulala. Mais oui, on le sait que t'as une réserve personnelle, arrête. Oh, tu l'as eu? Oh putain, il est aussi simple que ça! Il est aussi simple que ça, putain! Oh, c'était Louis. Ah, franchement... Le boss! Oh là là! Mort. Ah ouais, dans le genre boss minable, waouh! Est-ce que vous avez vu un peu la façon dont il a tué ce boss, quoi? Il y a des trucs à checker au sous-sol encore. Y a-t-il des choses à checker au sous-sol, messieurs les guides, messieurs les GPS? Ouais, GG, comment il a niqué le boss, hein? Mais il y a des choses encore à checker dans le sous-sol ou pas? Merci Dark. Il dit quoi? Il dit qu'il va checker ça. Ok. Bon, tu l'aimes pas trop du sous-sol. Je suis à côté. Oh, j'avoue, c'était grandiose, hein. Le boss le plus minable au monde, quoi. Salut, je te prends rappel dans la tête. Bim, t'es mort. Ouais, je vais partir 5 minutes, hein, excusez-moi. Mais... Ah, il abandonne le cache-œil. Non, j'abandonne pas, je vais le remettre après, là, c'est juste que j'ai une marque autour de l'œil. T'as l'œil qui transpire, tu sais. Voilà, Fox vient d'enlever son cache-œil, et je vous le dis, je peux pas vous le montrer, mais je vous le dis, il a l'œil qui transpire. Il a pas de transpiration autour, mais juste dans le cache-œil, il a de la transpiration, c'est horrible, quoi. Si tu as la carte 6, tu as tout.
T'as la carte 6? J'ai tout. Bon bah alors vas-y, monte. Fox en mode BG. Hein? BG pour beau gosse. Non, comme big boss. Non, BG, ah, BG. BG. Big gosse, oui, peut-être, je sais pas. Ah, hey, big gosse en plus, avec grosse couille. Oui, parce que au Canada, hein, il faut le savoir, gosse, c'est les couilles. Donc, du coup, si c'est big boss, du coup, ou même beau gosse, ça peut également porter à confusion. Ah, c'est bad game. Non, beau gosse. Ah, bon, bah oui, ça m'étonne pas de toi en même temps. Ouais, voilà, donc là, si un jour tu rencontres un Canadien et que tu lui parles de gosse, fais attention. Il pourrait pas penser comme toi à des gosses, mais à des gosses. Donc nous sommes en train de nous pringlesser, hein. Merci Milouz, tu m'en apportes un verre. Ça te fait kiffer le poney. Fais gaffe, fais gaffe, t'es... Tu l'as une main. Ah, tu es en plein haché dans l'autre. Ah, ça me donne envie de rôter. Ah, il y a eu des bulles de Pringles qui sont montées avec. Oh putain, des bulles de Pringles, c'était grave. T'es gore, t'es gorissime. Ouais, t'es gorissime là. Non! J'avais oublié ces trous noirs. Non, Fox! Je le fais bien, le Emmanuel Bonamy qui crie après Fox. Fox! Tout est relatif, il y a que la vodka qui est absolue. Oh là là, pas drôle. Hein. Elles sont où ces putains de rations d'ailleurs? Vous entendez parler de rations? C'est comme le loup du Gévaudan, on en entend parler, on voit jamais. Non mais j'avoue, t'as raison, Hello, c'est fail là. C'est quoi le fail? Fail. Ah. Irox du poney, ouais. Oh putain. Rox du poney. T'as oublié le T Dark Eater. L'Olt. L'Olt, ça se dit L'Olt. Fox Die, oh pas mal Chico. Non, non, là c'est Fox Live. Non, là c'était Fox Die ce que ça fait. Donc c'est dans cette pièce qu'il faut pas aller, donc je vais aller là-bas. Et là, je viens de tomber dessus là, à l'instant là, à la seconde, nous avons... Mais attendez, là, j'attends que la vidéo soit plus en décalage, hein, je suis gentil avec vous. Le couteau de Big Boss, quoi. Il est magnifique le couteau de Big Boss, hein. C'est quoi ça, Milouz? C'est du champagne? Ah, c'est ton couteau de table, ça, Dark Keeper. D'accord. Ah, et Hello, elle need ton couteau de Big Boss. Tu l'as eu comment, ton couteau de Big Boss? D'accord, il vient d'Espagne le couteau.